Imaginez pouvoir dès aujourd'hui commencer à construire un business en ligne qui pourrait vous offrir une véritable liberté. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour agir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est crucial de bâtir une boutique Amazon FBA solide et comment cela pourrait transformer votre avenir. Je partagerai aussi l'histoire inspirante de Tatiana James. Elle a su développer et vendre sa marque et boutique Amazon avec des résultats impressionnants. Restez à l'écoute et je vous montrerai comment, vous aussi, vous pouvez vendre votre boutique Amazon encore plus cher dans le futur. Commençons par l'essentiel. Pourquoi créer une boutique Amazon solide aujourd'hui? Avec plus de 2 millions de vendeurs actifs sur Amazon, la compétition est féroce. Pour se démarquer, il est essentiel d'adopter les méthodes efficaces. Le private label est la stratégie la plus puissante car elle vous permet de créer votre propre marque. En parallèle, le wholesale et le retail arbitrage peuvent également fonctionner, mais ils offrent moins de contrôle et de marge bénéficiaire. Une boutique bien structurée avec une niche claire et des produits de qualité vous positionnera favorablement. Prenons l'exemple de plusieurs success stories comme celle de Tatiana James. Elle a commencé comme une vendeuse Amazon passionnée et a transformé sa boutique en une entreprise qui a été vendue pour plusieurs millions. Son succès repose sur une stratégie solide et une connaissance approfondie du marché. Mais ce n'est pas tout. Amazon devient de plus en plus sélectif. Vous avez peut-être entendu parler d'Amazon Merch, qui a récemment durci ses règles d'accès pour les nouveaux vendeurs. Je ne dis pas que cela se produira demain ou l'année prochaine, mais ces tendances suggèrent un avenir où l'accès à la plateforme pourrait être plus limité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir d'Amazon FBA? Avec des restrictions potentielles à venir, il est crucial de bâtir votre boutique maintenant pour maximiser sa valeur dans le futur. Pour m'aider à apporter encore plus de valeur, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo. Ça m'aide énormément à être plus visible pour continuer d'aider d'autres entrepreneurs comme vous. Prenons maintenant un moment pour nous plonger dans l'histoire inspirante de Tatiana. Si vous êtes un entrepreneur ou envisagez de le devenir, son parcours est un modèle à suivre. Tatiana a commencé sa carrière en vendant des produits sur Amazon. Si je me souviens bien, son premier produit était une éponge. Rien d'exceptionnel. Elle a ensuite tenté avec un mascara. Mais ce qui a véritablement fonctionné pour elle, c'est une gamme de vêtements, notamment une gaine minceur. C'est cette gamme qui l'a rendue indépendante pendant qu'elle se concentrait sur le développement d'une marque forte. Au fil du temps, sa marque a pris de l'ampleur, attirant l'attention de gros acheteurs d'entreprises. Tatiana James a saisi cette opportunité en vendant sa marque pour une belle somme. Un rêve pour tout entrepreneur. Et son parcours illustre parfaitement l'importance de bâtir une boutique Amazon solide dès le départ. Tatiana n'a pas simplement vendu des produits, elle a créé une véritable marque avec une identité forte, une clientèle fidèle et une stratégie à long terme. Cela démontre que si vous investissez dans votre boutique dès aujourd'hui, vous pouvez récolter les fruits demain. En suivant son exemple, vous pouvez transformer votre passion en une entreprise prospère et potentiellement très lucrative. Mais revenons-en à la situation actuelle. Pourquoi est-il si important de bâtir votre boutique Amazon dès maintenant? Comme mentionné précédemment, Amazon devient de plus en plus restrictif. Reprenons l'exemple Amazon Merch, un business model qui a longtemps été prisé des artistes. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se voient refusés sans aucune chance de rappel. Cette situation pourrait bientôt se reproduire sur Amazon Seller Central, ce qui signifie que si vous attendez trop longtemps, vous pourriez manquer des opportunités précieuses pour établir votre présence sur la plateforme. Il y a de plus en plus de signes qu'Amazon pourrait appliquer des règles similaires à l'avenir pour les nouvelles boutiques FBA. Si cela se produit, il sera beaucoup plus difficile pour les nouveaux vendeurs de s'implanter et de réussir sur la plateforme. En créant dès maintenant une boutique solide, vous vous positionnez pour surmonter ces défis potentiels et tirer parti des opportunités à venir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela veut dire qu'il faut agir rapidement. Les boutiques Amazon déjà établies, celles avec une bonne réputation et un historique de vente, deviendront extrêmement précieuses.
Si Amazon limite les nouvelles inscriptions, les prix des boutiques existantes pourraient exploser. En vous positionnant maintenant, vous maximisez vos chances de succès et d'investissement dans un marché en pleine évolution. Si nous revenons une dernière fois à Tatiana James, elle a commencé comme vous, en vendant sur Amazon avec une stratégie claire et une vision à long terme, en private label. Elle a réussi à transformer cette vision en une entreprise prospère. C'est cette même opportunité que vous pouvez saisir aujourd'hui. Si Amazon devient plus restrictif, ceux qui n'ont pas encore créé leur boutique ou renforcé leur présence risquent de manquer l'opportunité de faire partie de cet écosystème en pleine expansion. Et comme l'a dit Elon Musk, les choses ne viennent pas à vous, vous devez vous lever et les faire arriver. Encore une fois, je ne dis pas que ça se produira demain, mais un business florissant ne se construit pas en un jour. Agissez maintenant pour vous positionner sur le long terme. Créer une boutique Amazon demande du temps, de la persévérance et une vision claire. Les efforts que vous mettez aujourd'hui peuvent payer demain. En conclusion, si vous avez toujours rêvé de bâtir une entreprise, le moment de vous lancer, c'est maintenant. Ne laissez pas les futures restrictions ou la concurrence croissante vous empêcher de réaliser vos objectifs. Créez une boutique solide, optimisez-la et qui sait ? Peut-être que vous serez le prochain à vendre votre entreprise pour plusieurs millions, comme Tatiana. Si vous voulez en savoir plus sur comment construire une boutique Amazon performante et éviter les pièges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de télécharger mes ressources gratuites pour bien démarrer. Le tout est en description. À bientôt à toute la communauté française, québécoise et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao.